sur le plateau 215 pour notre rendez-vous du Père Foichon. Ça va bien? Oui, oui. Je vous sens un peu tendu. Hein? Non. Bon, vous inquiétez pas. Ici, c'est comme la poésie, c'est une histoire de pied, en fait, en quelque sorte. Devant vous, il y a des trappes. Je vais vous poser des questions. À chaque bonne réponse, on passe à la trappe suivante. Il me faut 3 bonnes réponses. Et attention, vous n'avez droit qu'à une seule erreur. Ouverture de la première trappe. Alors. Ça va, c'est les crabes. Bon, alors, Camille, écoutez-moi. Ah non, on attrape des verrues là-dedans. Mais non, vous inquiétez pas. Allez, les 2 pieds dedans. Allez, Camille. Ne me mangez pas les pieds. Je vous pose la question quand vous avez les 2 pieds à l'intérieur. Ça va pas dedans, hein. Alors. Non, je te lâche pas, Passe-Muraille. Écoutez-moi. La grenouille est la femelle du crapaud. Vrai ou bien faux? Votre réponse. Vrai? Oh, bah non, c'est vrai que c'est faux. Bah oui, c'est faux. Bon, sortez. Vous avez épuisé votre droit à l'erreur. Maintenant, c'est un sans faute qu'il vous faut. Hein? Alors, ouverture de la 2e trappe. Allez. Allez, Camille, bravo. Mais vous êtes déchirés, super. Allez, montre-nous. Allez, vous y êtes pratiquement. Là, vous allez vous casser la voix, Camille. Allez. Jolie voix. Super. C'est génial. Bravo. Oh là. À qui doit-on l'expression « avoir le cafard » Charles Baudelaire ou bien Paul Verlaine? Paul Verlaine? Oh, pff, écoute, alors là, pour le coup, bah vous ressortez, c'est perdu. Faites-moi un sourire tout de même avant de partir. Ah bah ça va mieux maintenant, soudainement. Bah Camille, c'est perdu, vous repartez, perdu, il n'y aura pas d'artiste, qu'est-ce que je vous dise, moi? Il fait toujours beau, il fait toujours chaud dans le Père Foichon.